Je réalise une thèse en sciences de l'ingénieur sur la réduction de modèles de machines électriques. Alors vous vous dites, ouh, bien trop compliqué. Que du contraire, nous allons décortiquer ensemble ces trois thèmes en 3 minutes. 1. Les machines électriques. Je travaille sur celles de notre quotidien. Les transfos qui permettent d'avoir l'électricité dans nos maisons et en faire des villes-lumière. Les alternateurs qui, en tournant, produisent de l'électricité, présents dans toutes nos voitures. Ou encore les moteurs électriques qui vont certainement remplacer les moteurs actuels. Pour les étudier, nous faisons des modèles. Alors 2. Un modèle d'une machine, c'est quoi? C'est un équivalent mathématique qui simule son comportement. Alors si vous n'aimez pas les maths, pas de problème, ce sont les ordinateurs qui s'en occupent. Nous réalisons des modèles très précis de ces machines en résolvant les équations électromagnétiques internes. Pour ce faire, nous devons découper la machine en petites mailles où nous calculons la solution. C'est comme quand on fait une mosaïque. On prend beaucoup de petites pièces de couleur pour réaliser l'image globale. À chaque maille correspond des équations. Au plus il y a de mailles, au plus il y a d'équations, et au plus le système est donc grand et long à résoudre. Imaginez le temps nécessaire pour peindre la mosaïque de la Joconde au centre de la dia, avec plus de 100 000 mailles. Bien trop long. Donc, on a un modèle précis, mais il prend trop de temps. Que faire? 3. J'arrive avec la réduction. Pourquoi ne pas utiliser peu de mailles, tout simplement? Oui, mais la Joconde du dessous, avec seulement 100 mailles, est nettement moins jolie. En fait, le nombre de mailles minimum pour avoir une bonne ou une belle solution est déjà trop grand. Faut-il alors choisir entre beauté et rapidité? Non. Dans une mosaïque, chaque pièce doit être peinte avec la bonne couleur. Hors des pièces, il y en a beaucoup. Par contre, si nous utilisons des pochoirs pour peindre directement un ensemble de pièces de la même couleur, nous irons bien plus vite. Et en les combinant, nous pouvons retrouver la bonne image. Avec ma Joconde, si je possède les 3 pochoirs, vert pour l'arrière-plan, foncé pour les habits et clair pour la peau, je peux facilement les superposer pour retrouver mon portrait. On est d'accord. On dit que le modèle est réduit de 100 000 à 3 inconnus, car il suffit désormais de correctement combiner ces 3 pochoirs. Et mon travail consiste à déterminer précisément ces fameux pochoirs pour les machines électriques afin de les combiner pour déterminer toutes les solutions possibles. Voilà, donc c'est normalement un peu plus clair, la réduction de modèles de machines électriques. Non ? Mais à quoi ça sert ? Les ordinateurs sont de plus en plus puissants, mais les modèles sont de plus en plus complexes et prennent encore trop de temps. En faisant des modèles réduits de machines électriques, nous pourrons réaliser beaucoup plus de calculs. Nous pourrons améliorer les futures turbines, nous pourrons éviter les risques de coupures dans le réseau, les blackouts. Nous pourrons optimiser les futurs moteurs et donc augmenter l'autonomie des voitures électriques. Bref, voici une thèse de 4 ans, réduite en un peu moins de 3 minutes, et je vous remercie pour votre attention.